qui demande soutien. À qui tu cries ras-le-bol. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. C'est pourquoi j'ai mis en haut là-bas. Le bon combat, oui. Je suis pour le bon combat. Mais tant que ça se fera de cette manière-là, je ne vais jamais, jamais le soutenir, ce combat-là. Jamais de la vie. Les gens ont tendance à dire qu'on n'aime pas des Bordeaux. Moi, je vous dis que c'est faux. C'est archi faux. Écoutez-moi bien. Hein? Je vous ai dit que je vais vous expliquer toute l'histoire du cas de Bordeaux ce soir. Je vais vous expliquer ça simplement. Et après le direct, vous vous asseyez pour analyser, pour voir ce que ce jeune héritant l'a dit là. C'est vrai ou c'est faux? Depuis quand les Ivoiriens n'aiment pas de Bordeaux Likoufa? Je vais vous expliquer. Avant que de Bordeaux se reconvertisse en un clasheur, de Bordeaux était un artiste bosseur qui ne s'exprimait que par sa musique. Rappelez-vous bien. De Bordeaux a sorti American Soldier. Nous tous l'avons soutenu. Il a sorti Ma Nation. Nous tous l'avons soutenu. Il ne faisait pas de clash. Il a sorti Célébration. Il ne faisait pas de clash. Il a sorti beaucoup de morceaux sans clash. Rappelez-vous bien. Les clashs de Bordeaux ont commencé juste après la sortie de Piquimé. Et remarquez bien. Depuis Piquemain jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire on enlève Piquemain dedans, tous les morceaux que de Bordeaux a sortis là sont des morceaux très lourds, très bien structurés, qui sont très intéressants. Que moi-même je juge plus chic que ses premiers sons. Mais les morceaux là sont allés où? Comme vous n'avez pas entendu la vérité, je vous dis la vérité là aujourd'hui. De Bordeaux ne s'est pas fait clash. Quand tu mets ta personnalité dans tes clashs, les gens vont te détester. Parce que tu ne peux pas venir nous dire que tu dis la vérité en insultant les gens. En rabaissant les gens. Et puis on doit. En tout cas, moi qui suis un peu intelligent là. Il t'écoute et puis il dit que comme tu mets du bon combat là, c'est bien que tu aies insulté ma mère et puis il doit te soutenir dedans. Ça, c'est pas héritant, ça peut jamais marcher. Le problème de Bordeaux, là, c'est ça qui est là. C'est pas autre chose. Sinon, c'est depuis qu'on déteste de Bordeaux. Ça a commencé comment? Dites-moi. Quand de Bordeaux cartonnait avec American Soldier, Célébration, l'enfant gâté, puis qui met là, les Ivoiriens n'aimaient pas de Bordeaux. De Bordeaux s'est détruit tout seul. C'est pas quelqu'un. Cette vérité-là, vous voulez pas l'entendre, mais je vais vous la dire ce soir. C'est pas quelqu'un qui a détruit De Bordeaux. C'est lui-même qui s'est détruit. Pourquoi on ne doit pas vous dire ça? Quand lui, il vient, par exemple, hier, il se permet de faire un direct où il dit des choses même qu'on ne doit pas dire, même qu'on a bu tout un macumé ou toute une boîte de nuit, là. Qu'on ne doit pas dire, il vient vous dire ça. Et vous, comme vous êtes trop fan de l'artiste, vous applaudissez. Vous trouvez et vous jugez que c'est bon. Que c'est normal qu'il ait dit ça. Parce qu'il est en train de mener un bon combat. Il y en a même qui parlent de choquer pour plaire. C'est-à-dire, il d'accordise avec ça. Notez pour garder, je ne suis pas Dieu. Tant que l'artiste de Bordeaux Likoufa va rester dans ce carnaval-là, il ne sera rien du tout. Dites que c'est Eriton qui a dit ça. Tout comme fait lui-même, monsieur, est direct. Tant qu'il va rester dans cette logique-là, de penser que tout tourne autour de lui, que à lui seul, il détient la vérité-là, il ne sert à rien. Le petit nom qu'il a eu, et puis avec ça, il mange. Il pense qu'il est arrivé, il a de grosses voitures, il a commencé peut-être à construire, à investir là. C'est si ça s'arrêtait. Il ne pourra rien créer d'autre. Il est proche de la quarantaine. Son succès-là, ça va arriver à 70 ans. À 60 ans,
vous dites que vous l'aimez, même s'il mène un bon combat, vous pouvez lui dire son combat qu'il mène là. Il a qu'à mener ça avec la manière. Il est en train de me battre avec quelqu'un, tu viens séparer, puis tu me donnes un coup de poing. Comme toi, tu es trop énervé, tu vas me voir me battre, et puis tu enfles mes yeux, et puis il y a qu'à te regarder, parce que tu es venu m'enlever dans Palab. Mais il me battre toi aussi. Parce qu'il a dit que tu as trouvé cette histoire de Palab là pour venir me blesser, pour venir me taper aussi. Il faut arrêter ça. Vous encouragez Debodo trop dans les bêtises. On vous a jamais dit que ce que Debodo dit là, il n'y a pas de vérité dedans. Mais dès lors qu'elles sont mal dites là, moi, Erito, je ne peux pas d'accordiser avec ça. Venir prendre sa caméra, lancer un direct et se permettre de dire être ivoirien, c'est une malédiction. Et puis si on vous a demandé, c'est du buzz. Donc on fait buzz avec un peuple maintenant. Comme si tes frères et sœurs, tes amis, ton staff managérial là-même ne sont pas ivoiriens. Ça là, on ne peut pas dire. Quand on dit ça à l'artiste, c'est qu'on ne l'aime pas. Ceux qui me suivent depuis le début là, ils savent que j'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, j'ai pas un lèche cuit. Les vrais là, ce sont parmi vous. Parce que vous n'aimez pas attendre la vérité. Vous n'aimez pas accepter la vérité. C'est-à-dire, comme c'est Debodo, c'est l'artiste, il peut se permettre tout et puis nous n'aurons qu'à accepter. Ça ne marchera jamais avec moi. Jamais. La vérité fait mal, mais elle demeure la vérité. Si aujourd'hui les Ivoiriens détestent Debodo là, c'est à cause de ses nombreux directs où il s'est permis à sortir des grossièretés, à insulter n'importe comment, à dire à avoir des réactions hasardeuses. On ne sait même pas pourquoi, mais sur quelle base même. Genre, on a qu'à dire que non, il a trop gros cœur ou il est trop garçon. C'est aller où? Clair, il ne peut rien créer. Hein? Dans son Debodo où il est actuellement, il ne peut rien créer même. Donc dites-lui là, c'est calmé. Parce que derrière village, il y a toujours un village. Ça sert à quoi de venir faire le je connais tout, je n'ai peur de rien. Et puis après, demain, tu mets Dieu ma force. Il faut arrêter à un moment donné. Hein? Et vous là aussi, on vous demande, vous dites que vous aimez l'artiste. Est-ce que vous savez qu'on appelle aimer un artiste même? Vous attendez mes réactions contradictoires vis-à-vis des réactions de l'artiste Debodo pour dire que je ne l'aime pas. Mais je pense que je suis mieux placé en termes d'actes. D'arguments. Pour dire que je suis l'un des plus grands fans. Je ne suis pas le plus grand fan de Debodo, mais je suis l'un des plus grands fans de Debodo. Vous le savez? Tellement vous êtes hypocrite là. Sur ce même Facebook là. Allez regarder les derniers directs. Avant qu'il commence à faire ces bêtises là. Je voyais des jolis commentaires. Erito, tu es un génie. Erito, toi, tu es le meilleur fan de Debodo. Mais quand on dit qu'on commence à dire la vérité à Debodo, vous n'acceptez pas ça. On devient faux. Mais vous vous fatiguez. Et vous vous fatiguez beaucoup. Vous pensez que c'est vos deux, trois commentaires là qui ont me découragé à vous dire ce que vous devez entendre. Quand tu fais un entretien avec l'artiste, où l'artiste te promet qu'il ne rentrera plus dans les clashs, et puis quelques jours plus tard, il fait pire, il s'est foutu de qui? À la limite, t'es rien en fait. Tu faisais juste accompagner, il avait juste envie de dire des paroles pour te faire plaisir, et puis demain, il s'en fait pire. Genre, lui, il ne nous respecte pas. Genre, lui, il ne me respecte pas. Et puis moi, je suis obligé de le respecter parce que lui, c'est Debodo. Moi, je suis Erito. Oui. Je l'ai démontré ici par A plus B. Souvent, il y a des gens qui me parlent de vues. Allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir. Au stade où on est arrivé là, on n'est plus dans les histoires de vues. Quand 5 000, 10 000 personnes écoutent un message censé, moi je suis content. Il a tout gagné. Parce que son 200 000 vues, il est déjà fait. Son 300 000 il est déjà fait, son 400 000 il est déjà fait, son plus de 500 000 il est déjà fait sur une seule vidéo. Donc je pense que je n'ai rien à prouver maintenant. Je suis dans la véracité maintenant. Comment vous expliquer que
je soutienne quelqu'un, bec et ongles, et puis je me braque contre lui comme ça. Réfléchissez un peu. Si on vous a demandé, j'ai jamais aimé l'artiste. Mais ça, c'est vous qui voyez. Hein? Ça, c'est vous qui voyez. Souvent, on va ne parler là, on va ne réfléchir, on va de sortir des choses pensant que vous dites trop la vérité là. Réfléchissez un peu. Après Picmet, où Devodo a commencé à faire des directs pour vouloir faire comme son ami Feu Didier Arafat, c'est pas là qu'il s'est fermé tout seul là. C'est pas là, ces sons là ne prennent plus comme avant. On sait que c'est intéressant. Mais moi, chaque fois qu'ils sont sortis un son, je me demande pourquoi ça ne fait pas le boom comme avant. Mais c'est parce que les gens sont découragés. Quand tu fais un direct, écoutez-moi bien, hein, quand tu fais un direct où tu insultes, où tu dis des méchancetés, soit disant que tu es dans un combat où tu es en train de dire la vérité, et puis demain, tu te plais que les gens ne te soutiennent pas, mais je tombe des nues. Prenons directement le cas Fally. À cause d'un poste d'une chaîne de télé qui est représentée dans plusieurs pays, des gens viennent voter pour Fally. Boum, les Ivoiriens ne sont pas solidaires. Vous pensez que Trace Africa là, c'est seulement pour les Ivoiriens? Vous pensez que Trace TV là, c'est seulement pour les Ivoiriens? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ils mènent un bon combat, vous l'avez suivi dedans. À un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut vous ressaisir. C'est pas Hériton que vous faites du mal. Hériton, grâce à Dieu, a un petit salaire à la fin du mois. Il s'occupe de sa petite famille. En tout cas, il n'a pas faim, ça va. C'est lui que vous voulez voir grand là. Vous voulez voir loin là. C'est lui que vous êtes en train de tuer. 15 ans de carrière. Même pas un seul trophée majeur. Si on vous a demandé, les gens sont trop contre des Bordeaux. C'est pourquoi on ne le nomine pas. Il n'a pas une bonne image. C'est ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Mais c'est ce que vous n'acceptez pas. Il a détérioré son image. Il a détérioré son image tout seul à travers ses nombreux directs. Et regardez le cas de choses de son concert où il vient faire des directs pour. Oh, la justice est là. Mais par amour, on l'a suivi dans ce combat-là. On l'a suivi dans ce combat-là. Les vidéos existent. YouTube ne ment pas. Ce n'est pas la télévision pour demander une rediffusion. Il suffit de chercher, vous tombez dessus. Et puis tu vois l'antiste s'enfoncer de plus en plus. Et on n'a qu'à applaudir ça. C'est lui qui peut se permettre de devenir sur une chaîne de télé, une chaîne de radio, dans son direct, de dire ce qu'il pense. Si ça a choqué un peuple, un individu, lui, il s'en fout. Vous encouragez ça parce que vous estimez être fan de l'artiste. Mais nous autres, on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. C'est qui les vrais sorciers de l'artiste? C'est vous ou c'est moi? Non, mais c'est vous ou c'est nous qui disons un peu la vérité à l'artiste là? Je dis encore. Je l'ai dit il y a quelques minutes, je le répète. Notez pour garder. Tant que Debodo restera dans cette logique-là, il ne va rien créer. Ça n'ira nulle part. Sa carrière va stagner comme ça. Et ce n'est pas nous. Moi, je ne commande pas Debodo. C'est vous qui commandez Debodo. Parce que quand il dit que tu es garçon, que ton ami garçon sort pour te parler, que tu sais qu'il y a un peu de vérité dedans là, quand tu passes à autre chose, ce n'est pas dire que tu es un faible. Ça montre que tu es sage. Mais quand tu t'obstines dans ta bêtise, pensant que tu es en train de mener un combat, ne sois pas surpris qu'on soit toujours derrière toi à te dire la vérité aussi. Parce que tu as toujours des personnes qui te suivent comme ça dans le billard. Quand on les demande, ils sont super fans de l'artiste. Ah bon, donc l'artiste peut venir faire 1000 directs publiquement, choquer, et moi, et la nation, et les individus. On ne doit pas parler. Et puis moi, il doit rentrer dans son inbox. Le même Debodo, là, si vous le connaissez bien, appelez-le pour lui demander combien de fois Hériton lui parlait en inbox. Dernièrement, même vous n'avez pas vu où on s'est rencontrés là. Je vous ai partagé la vidéo. On a parlé pendant plus de 2 heures. Nous deux, on sait ce qu'on s'est dit.
Et puis du jour au lendemain, tu sors comme ça. Monsieur, je connais tout. Monsieur, je suis dans la vérité. Monsieur, je dis la vérité. Et tu commences à enchaîner des directs, à faire des réactions, des sorties hasardeuses. Et puis on a qu'à t'applaudir. Oh, hey, Seigneur. Ne vous ressaisissez pas. Zero, seven. Ne vous ressaisissez pas. La même bêtise que vous êtes en train de faire des Bordeaux là, vous l'avez fait il y a quelques années avec Fedji Arafat. Rappelez-vous, hein? Et apparemment, vous-même, vous avez dépassé les Chinois, les soi-disant légionnaires là. Moi, je connais des fans des Bordeaux qui ne jurent que par des Bordeaux qui sont hyper découragés de la tisse. Qu'ils en ont honte même actuellement où ils sont en train de vous parler là. Ils ne se reconnaissent plus en des Bordeaux. Tellement ils sont découragés. C'est quel artiste? C'est toi seul qui dis la vérité. On a dit oui, tu dis la vérité. Mais il faut la dire d'une autre manière. Tu viens, tu insultes tout le monde, tu dis ce que tu penses. Et puis on a qu'à t'applaudir. Pourquoi? Tu nourris qui? Je vais ouvrir une parenthèse. Et puis je vais continuer. Je vois souvent en commentaire des personnes parler de frustration. Ce que vous ne savez pas, avant tout ce que vous connaissez là, je fus le premier blogueur. Sans que j'aie envoyé mon lien à Debordo Likoufa. Avoir le lien de ma chaîne YouTube sur sa page Facebook. Disant à ses fans-là, écoutez ce jeune-là, il dit la vérité. S'il n'a pas supprimé, quand on finit le direct, là, partez sur sa page Facebook et puis descendez seulement. Vous allez tomber sur la publication. Je parle à l'artiste quand je veux. Je vais le voir quand je veux. De quelle frustration vous parlez? Vous parlez de frustration pendant que le mec même qui vous fait des vidéos là vous dit, il n'est pas dans les histoires d'amis amis sur les réseaux sociaux. Sinon quand l'homme moussait, on faisait les 500 000 vues sur YouTube là, il y a longtemps, il était rentré dans un tuyau. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que ce milieu il est pourri et hypocrite. La preuve en est que, voici les frères. Quand on est d'accord avec vous, vous applaudissez. Mais quand on dit des choses contraires à vos positions, ça vous fait mal. Non. Donc cet argument là, hein, il faut le laisser tomber. Le nombre de fois Debordo a fait direct et puis il a dit merci Erito là. Vous pouvez compter. Donc de quoi est-ce qu'on parle en fait? Debordo me connaît mieux que vous. Mieux que vous. Peut-être la chose que je le choque, c'est que je suis pas un fan qui toujours qui dort dans son inbox du genre trop venir me coller à lui. Il m'en fout de ça. Ça m'intéresse même pas. C'est pourquoi quand il déconne là, il prend mon direct, il prend mon téléphone, il fait mon direct et puis il lui dit ce que je pense. Voilà. Moi j'ai une philosophie. Tu fais bien, tu rentres dans mon sillage, ici est toi. Il te soutient. Tu fais mal, il vient de dire, tu as fait très mal. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis ton mouton ou bien. Ou tu as donné le caca et puis il te suit pour aller manger le même caca là. C'est par rapport à quoi? Il t'aime trop. C'est qu'il ne t'aime pas alors. Bonsoir Sidibé, Sidibé. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Debordo s'est cassé tout seul. Et il est en train de se bousiller encore plus. Quand je vais remplir des salles mieux que Fally, je vais avoir des prix mieux que Fally. À quel moment? Comme ça là? Ça s'est passé à quel moment? À quel moment? Eh, la vérité fait mal, mais demeure la vérité. Elle demeure la vérité. Qui n'aimait pas Debordo ici? Avant là, je vais vous dire quelque chose. Avant là, quand Arafat insultait Debordo là, c'est les gens qui disaient Arafat, il exagère. Le gars là, même tu l'insultes, il te calcule même pas.
C'est les gens qui prennent la force sur la défense de Bordeaux. On ne sait même pas qui l'a conseillé, qui l'a blagué, même quand il a commencé à faire direct. Le gars s'est bousillé tout seul. Écoutez, que du sale. Monstrueux. Spécialité ivoirienne, monstrueux. Agazagaza, monstrueux. Mais est-ce que ces monstres ont eu succès comme l'enfant gâté, pique-mais, célébration, American Soldier et autres, ma nation et tout ça? Non. Non. C'est pas sorcier. On dit qu'un homme marche, il laisse des traces. C'est le cas de Bordeaux. Et ce qui m'a fait le plus rire aujourd'hui, je vais publier une vidéo d'une chaîne béninoise hein, qui faisait un micro-trottoir où la jeune dame demandait aux passants entre un conseil de Fali et un conseil d'un artiste béninois qu'on appelle Blaze, ils allaient partir avec quel conseil. C'est pas quelqu'un qui vient faire les directs pour insulter tout et n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui vient pour montrer à ses collègues artistes ou bien à la nation béninoise qu'il est trop intelligent ou bien il connaît tout. C'est pas quelqu'un qui vient se permettre de dire tout ce qui lui passe par la tête. Donc normal qu'on le soutienne. Normal. Mais tu peux pas m'insulter. Tu peux pas me faire croire que tu es plus intelligent que moi. Et puis il y a un mouvement, il n'y a qu'à te soutenir. Parce que soi-disant tu es ivoirien. Donc si toi tu es un ivoirien que tu as envie de me tuer là. Parce que tu es ivoirien, il n'y a qu'à envoyer ma tête à me tuer. C'est qu'il y a beaucoup de moutons parmi vous, hein, les gars. Beaucoup de moutons même. Mais moi, j'en suis pas un, malheureusement. C'est ce qui vous fatigue. J'en suis pas un. Pourquoi vous pensez que la vérité, ça sort de la bouche de Bordeaux seulement? Les gars, il faut arrêter un peu. Ce que vous ne savez pas, votre discours, vous avez commencé. Là, mais il n'y a pas l'hostal, là. Que l'Ivoirien n'aime pas soutenir, l'Ivoirien n'est pas soutenu là. Ça va vous parler maintenant à vos prochains concerts. Ça va vous parler. Parce qu'il y a l'impression que quand vous faites vos concerts à l'Ivoire Golf Club ou bien au Palais de la Culture là, c'est les Burkinabés qui quittent depuis le Burkina là-bas, ou bien les Malais qui quittent depuis le Mali là-bas qui prennent cas pour venir remplir vos salles. Pourquoi vous êtes hypocrite, ingrat, fort comme ça même? Pourquoi vous êtes méchant comme ça même? On dit la reconnaissance donne goût à la vie. La reconnaissance ça donne goût à la vie. Mais vous venez faire Jean-Jean parce que soi-disant vous voulez soutenir votre Mogou. Vous ne l'aimez pas. Vous êtes en train de le blaguer. Un bon combat, oui. Mais quand il est mal mené, ce n'est plus un bon combat. Voilà. Parce que je pense que dans tout combat, il y a des règles. On ne peut pas se commencer à combattre ou bien à se battre sans règles. Et puis on dit qu'on doit mener un bon combat. Ça, ce n'est pas un bon combat. Cher ami, les Ivoiriens soutiennent tout le monde. C'est ce que vous devez comprendre. Ça, c'est notre particularité. Notre nation, là, c'est comme ça on est. C'est pas qu'on aime seulement les étrangers. C'est pas une histoire d'aimer seulement les étrangers. C'est des bêtises. C'est ça mais qui me fait mal. Et puis, chaque fois qu'il voit cette réaction, je suis obligé de faire direct, venir vous dire que je ne suis pas d'accord, là. Il voit rien là. Il soutient tout le monde. Mais tu peux pas commencer à faire des directs. Imaginez un seul instant. Tu es un artiste ivoirien. Une nationalité que tu vas jamais. C'est. En tout cas, moi, je suis découragé. Moi, je l'ai déjà dit dans plusieurs directs. Et c'est parce que je suis très découragé. C'est un set que je suis en train de faire ce direct là. Je suis découragé. Mais à fond quoi. Conan, détruisant d'en sortir, c'est pourquoi il est en train de faire ça. Ah! Toi, débordé au niveau où tu es arrivé là, tu es obligé de faire buzz, faire ce son. Je ne pense pas. Ce sont des fans qui sont en train de donner ces arguments là. Le gars, il est très lucide. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il pense, et puis il parle. Donc arrêtez de vouloir justifier ces dérapages. Arrêtez un peu. En tant qu'artiste là, c'est seulement ton travail qui va te récompenser. C'est pas buzz. Papa n'a buzz, il est parti, il est buzz là, c'est mort. C'est fini ça. Parce que lui qui faisait ses buzz là, quand ça vient comme ça là, c'est du loup et puis ça confirme. C'était sa stratégie à lui, c'était sa marque de fabrique à lui.
Y a pas quelqu'un qui fait mieux que c'est mieux que ça que lui. On dit que non, des bordeaux que dans ce c'est dernièrement là. Je sais pas que là, maintenant il a voulu faire buzz avant d'étendre ses sons avant où. Ses sons arrivent où? Pendant que tu critiques les Congolais, la musique Bokoko est le morceau le plus joué en Afrique actuellement où il vous parle. T'as vu un peu, non? On est là à critiquer, à se jouer les frustrés. Genre, disant, non, on ne soutient pas les Ivoiriens, on soutient l'extérieur. Ça n'a rien à voir. Quand la musique est bonne là, elle se vend tout seul. Tout seul. Quand c'est bon, ça va tout seul. Donc, trouvez d'autres arguments, chers Ivoiriens. Trouvez d'autres arguments, chers artistes Ivoiriens. Il n'y a pas un artiste ivoirien qui a moussé, c'est-à-dire qui mousse fort. Et puis ils ont fait concert au palais de la culture, puis ils tapent pour toi, c'est impossible. Mais tu ne casses pas œuf, tu ne mousses plus. Tu veux que le palais se remplisse comment? Par reconnaissance, quoi. Il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire ici, hein. C'est que Rama va faire parler de la culture, il peut aller le soutenir. Oh, si Rama fait concert, là, ça va parce que ce n'est pas un ivoirien, on va le soutenir. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore prêt. Genre, il compte sur quoi il veut faire le palais. C'est comme ça l'Ivoirien. L'Ivoirien, il est intelligent en fait. L'Ivoirien, il est intelligent. Il ne soutient pas. Il soutient pas pour soutenir en fait. L'Ivoirien, il est très intelligent. Commençons à cartonner. Commençons à cartonner. Rappelez-vous, vous prenez un exemple simple, vous allez comprendre. Le grand Chris Brown, il est venu prendre 500 millions de francs CFA ici. Dans le temps, il ne moussait plus, ses morceaux ne cartonnaient plus. On ne sait pas sur quoi les organisateurs ont compté. On dit qu'il va lui donner le stade. Poto! Oh, c'est Chris Brown. Dans son pays, même à lui, il remplit le stade. Mais il vient en Afrique ici, là. Malgré son Chris Brown, il a tapé Poto. C'est parce qu'il n'avait pas les morceaux de le temps qui accrochaient. Il faut arrêter un peu cet esprit de xénophobie, là. Ça ne tient pas la route. Quand tu veux mener un bon combat, il faut avoir la manière. Il faut avoir le verbe. Il faut avoir les arguments. Pas dans le rabaissement, pas dans les injures. Parce que je pense pour ma part que c'est un faux débat. Enfin, quand ça a commencé, je vous ai déjà dit c'est un faux débat. C'est pas parce que une page poste une photo de deux artistes, il y a un artiste qui a eu plus de votes que l'autre, que ça doit créer un tollé. Et puis tout le monde va venir dire non. On ne soutient pas les artistes ivoiriens, on ne soutient pas les artistes ivoiriens. Et puis certains artistes ivoiriens vont se blaguer aussi. Pour dire, vous ne soutenez pas. Donc tous vos conseils vous allez faire là. Ce ne sont pas les ivoiriens qui ont rempli, non? Ce ne sont pas les ivoiriens qui ont rempli. Donc si je comprends bien, vous dans votre gamme là. Si on place par exemple José et puis Céline Dion, on dit qu'il a belle voix. On n'a qu'à dire c'est José Fossé parce qu'on est ivoirien. Ça devient de l'hypocrisie, ça ne devient pas de la solidarité, ça devient du patriotisme, je suis désolé. José va vous dire non, arrêtez un peu. C'est vrai, on est ivoirien, mais ne faites pas ça, s'il vous plaît. Parce que dans Belle Voix, là, il y a papa de Belle Voix, il y a maman de Belle Voix. Je reconnais que j'ai une belle voix, je reconnais que j'ai un bon thème vocal, mais la merci est ma daronne à des années lumière. Soutenir son frère ivoirien ne doit pas se faire dans l'hypocrisie. Tes sons ne marchent pas, tu fais un concert normal que tu tapes le poteau. On ne donne pas tes morceaux à des baptêmes, à des anniversaires. On ne prend pas ton morceau pour faire baler. On n'a pas dit à ton concert comment. Pour ça, on ne sait pas soutenir les artistes ivoiriens. Or, tous ces petits artistes ivoiriens qui ont commencé à parler, à vouloir dire Jean de Bordeaux, dire la vérité là. Vous tous avez fait concert ici, nous tous on vous a soutenu. Vous avez rempli. Mais là, quand vous faites ça, là, demain, si tu fais conseil, que les Ivoiriens vont pas dire quoi, on ne s'est pas soutenu. Mais tu as oublié que tu dis que nous, on ne s'est pas soutenu. Pendant que dans ton premier conseil, on a rempli. Tu ne vas jamais voir un artiste comme José venir dire que les Ivoiriens ne s'est pas soutenu. On l'a incité très mal. Dans ton histoire, c'est rédié. Tu ne vas jamais voir un artiste comme Beno venir dire que les Ivoiriens ne soutiennent pas. Tu ne vas jamais voir un artiste comme. Comment il dit ça? Beaucoup d'artistes même. Moi, les maïs système ici, ils vont remplir calme, au calme, doucement. Tranquille, ils vont remplir ça doucement.
Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez même pas d'argument. Vous attaquez les pauvres Ivoiriens. Dites à votre débordeau là qu'Héritot dit, il n'a qu'à se ressaisir. Sinon moi là, les derniers sont les débordeaux. Après Piquemet là, je trouve qu'ils sont meilleurs que tout le reste des sons des débordeaux. Mais ce n'est allé nulle part. Vous devez vous poser des questions et lui aussi doit se remettre en cause. De quel combat parles-tu? De quelle vérité parles-tu? Gladia, je sais que vous êtes là quelques-uns là. Tout ce qu'on a à faire, c'est de donner massivement les prix à Iba One. Lui, c'est un bosseur. Double album, 33 titres. S'il veut, il chante plus. S'il veut, il peut se permettre de dire qu'il chante plus. Il a offert au moins 33 titres en une année. Voilà, c'est un record. C'est un argument dur. Lourd. Donc, continuez de voter jusqu'à la veille de la cérémonie. Continuez de voter, cher Gladia. Voilà. C'est le petit message seulement que j'avais à vous dire parce qu'actuellement, on n'a pas de temps. Ce qu'on a à faire pour Iba One, c'est de voter massivement. Voilà. Et comme je dois m'adresser à Debordo et à ses fans, c'est pourquoi je vous ai mis dans ce direct-là. On est ensemble. Donc le vrai problème de Debordo, là, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui est en train de tuer Debordo. Ce sont ses fans, suiveurs, là, qui sont en train de le tuer. Ainsi que lui-même, à travers ses nombreux directs hasardeux. Voilà. Que Dieu vous bénisse, c'était Héritot. Monsieur la franchise. Ciao, ciao.